Salut à tous ses amis, c'est Grenu, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo vlog en 4K avec mon neveu Souhaib. Comment tu vas Souhaib? Ouais, bien et vous? Ça va, Abdullah. Ça me fait plaisir. Alors aujourd'hui les gars, on va aller tester l'un des meilleurs snacks de BX, d'accord? Je vais être franc avec vous, je ne l'ai encore jamais testé. J'ai testé pas mal de snacks sur Bruxelles et je me suis dit que j'aimerais bien vous faire découvrir une adresse et apparemment il est très très bien réputé encore actuellement. Donc c'est parti, on se retrouve là-bas. Alors les amis, ça y est, on va tester, c'est parti. Donc moi j'ai pris un sandwich poulet, voilà. Et ici il y a Souhaib, il a pris... J'ai pris un durum poulet avec... Avec les frites quoi, andalouse blanche. On a pris tous les deux andalouse blanche parce qu'on a à peu près les mêmes goûts. C'est parti. On va voir ce que ça va donner, bismillah, les frites. Les frites, j'aime bien. On voit que j'aime bien. Déjà, les frites, elles sont succulentes. Bah ouais. Ils n'ont pas un goût comme la maison. Parce que déjà, de base, les frites, si elles sont bonnes, ça t'ouvre l'appétit pour enchaîner le reste, tu vois. Tu veux des tomates? Honnêtement, j'aime bien. J'ai même envie de continuer. Tu vas vider le carton de frites avant le sandwich. Moi, c'est toujours comme ça, ben, tu sais, ça. Les frites, c'est la vie. Juste pour dire, tropico comme d'hab. T'as pris quoi? Même chose. Voilà. Let's go. Allez, la base. Bismillah. Je l'aurais bien tué en une gorgée, mais on va se calmer. Alors, moi, je veux taper mon croc ici, dans le sandwich. Et je vais vous dire ce que j'en pense, d'accord? Ah ouais, c'est bon, c'est trop déco. Attends. Avant de goûter, sincèrement, il est très très bon. Il est vraiment très bon. Avec oignon cuit, salade tout, le poulet est bon. Souhaib, vas-y, je te laisse goûter maintenant, c'est à ton tour. Ok. Prends vraiment genre un gros croc, hein. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, tu le tues bien, comme ça t'es sûr que t'as tout. J'ai pas la bouche à vide. Tranquille, tu vas la développer avec moi, c'est pas un problème. Prochain objet à débloquer, la bouche adulte. Voilà. Ça va? Pas trop de sauce? Les oignons cuits, t'aimes bien? Le poulet non, est bon? Tout est bien cuit à moyen. C'est vrai? C'est good? Ouais? Ouais. C'est excellent. Alors, tu aimes bien ce snack pour le moment? C'est good? Ouais, c'est très bien aussi, le poulet bien grillé. Machallah, ça fait plaisir. Et ben voilà, les gars, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer, on va dévorer tout ça parce que franchement, on a faim et on vous fera, on va dire, le débriefing à la fin. Pour vous dire si oui ou non, bah ça vaut le coup de venir, voilà. Les amis, c'est l'heure du débrief. Alors, ce sandwich poulet, ce durum poulet, tu l'as trouvé comment, Souhaib? Magnifique, il avait un beau goût, il était bien cuit et tout. Sérieux? Pas trop, la sauce, les petits condiments à l'intérieur et tout, c'était bon quoi, ça se mangeait bien? Ouais, c'était bon. Est-ce qu'il t'a rempli ou pas? Ouais, il m'a chargé. Sérieux? Ouais. Et le goût du poulet, genre vraiment bon, il t'a mis du poulet et tout? Ouais, et aussi les... Les ailes, c'était un peu trop long, mais il fallait qu'il coupe un petit peu encore. Ah, d'accord. Donc, les morceaux d'oignons. Il a dit les ailes. Enfin, bref. Moi, les gars, j'ai pris sandwich poulet parce qu'en fait, de base, je voulais un durum poulet. Puis quand j'ai vu qu'il a pris durum, moi, je me suis dit, il faut qu'on fasse les deux, durum et sandwich, pour voir ce que ça donne. J'aime toujours, les gars, tout ce qui est poulet de manière générale. Et franchement, j'ai kiffé.
très très bon sandwich. Ça faisait très longtemps, les gars, que j'ai pas mangé un sandwich et tout. Et pour moi, c'est un snack qui, clairement, déjà les frites aussi, elles étaient bonnes. C'est les vraies frites que t'aimes bien manger quand t'es au snack, que tu kiffes. Elles sont vraiment délicieuses, etc. Donc pour moi, c'est validé. C'est aussi simple que ça. Je lui mettrais quand même une petite cote de... Allez, je dirais pas que c'est le meilleur snack que j'ai mangé de ma vie, mais il mérite quand même, on va dire, son 9 sur 10, parce qu'en plus, le cadre, il est plaisant. C'est plutôt quand même spacieux, j'ai bien aimé. On a, on va dire, c'était propre, c'était agréable. Il n'y avait pas spécialement d'odeur de friture en salle, etc. Donc, c'était vraiment cool. Et toi, tu le mettrais combien sur 10? Le snack, alors... Ouais. 9,5 sur 10. Et lui, il lui donne 9,5, les gars. Il est encore plus généreux que moi. Donc voilà, les gars, je vous rappelle, Snack Anatolia, c'est des frères turcs. Mashallah, kardashim. Tout ce que je connais, c'est Seni Seviorum, d'accord? Merhaba et Abe. Voilà. En plus, il m'a fait, non, Abe, j'ai pas de tiramisu. J'ai pas de tiramisu, Abe. Je l'ai fait, mais allez, c'est pas grave. On va juste prendre des tropicaux et ça a fait le taf. Aussi simple que ça, Snack Anatolia, les gars, chaussée de Louvain, 129. Dans un coin impossible à rater. Franchement, c'est propre, c'est bon, c'est délicieux. Alhamdoulilah. Merci à toutes les personnes qui me laissent un pouce bleu. J'espère que vous avez kiffé ce petit vlog. Découverte, on va dire, d'endroits sympas et agréables, on va dire, à manger ici, de restauration sur Bruxelles. C'était Grony. Bye bye tout le monde. Tu leur dis bye bye? Bye bye. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésite pas à lâcher ton meilleur abonnement, ton meilleur pouce bleu, ton meilleur commentaire. Dis-moi ce que tu as kiffé. Il y a plein de choses que je n'ai pas mentionnées. N'hésite pas, les commentaires sont là. Bye bye.